tamarin lion doré, singe lion doré ou petit singe lion est une espèce de primate de la famille des Calitrichidae. Le singe lion doré, également connu sous le nom de Ouistiti doré, est un petit singe du Nouveau Monde de la famille des Calitrichidae. Originaire des forêts côtières atlantiques du Brésil, le tamarin lion doré est une espèce en voie de disparition. Le tamarin lion doré tire son nom de son pelage orange rougeâtre vif et des poils extra-longs autour du visage et des oreilles qui lui donnent une crinière distinctive. Son visage est sombre et sans poils. La fourrure orange vif de cette espèce ne contient pas de caroténoïdes, qui produisent généralement des couleurs orange vif dans la nature. Le tamarin lion doré est le plus grand des Calitrichinae. Il mesure généralement environ 261 mm et pèse environ 620 g. Il n'y a presque pas de différence de taille entre les mâles et les femelles. Comme pour tous les Calitrichines. Le tamarin lion doré a des ongles en forme de griffes, au lieu des ongles plats que l'on trouve chez d'autres singes et singes, bien que les Calitrichines aient un ongle plat sur le gros orteil. Les tégulés permettent au tamarin de s'accrocher aux côtés des troncs d'arbres. Il peut également se déplacer en quadrupède le long des petites branches, que ce soit en marchant, en courant, en sautant ou en bondissant. Cela lui donne une locomotion plus semblable aux écureuils qu'aux primates. Le Golden Lion amarin a une aire de répartition très limitée, car au fil du temps, il a perdu tout sauf 2 à 5% de son habitat d'origine au Brésil. Aujourd'hui, ce tamarin est confiné à trois petites zones de la forêt tropicale humide du sud-est du Brésil, la réserve biologique de Poço das Antas, la réserve biologique de Fazenda Uniao et des terres privées dans le cadre du programme de réintroduction. La première estimation de la population faite en 1972 avoisinait le dénombrement entre 400 et 500. En 1981, la population a été réduite à moins de 200. Des enquêtes aussi récentes que 1995 ont suggéré qu'il ne restait peut-être qu'au plus 400 tamarins lions dorés à l'état sauvage. Mais la population s'est depuis rétablie à quelque 3200 à l'état sauvage. Le tamarin lion doré est actif au maximum 12 heures par jour. Il utilise chaque jour des tanières différentes pour dormir. En déplaçant fréquemment leur nid de couchage, les groupes minimisent l'odeur laissée derrière, réduisant la probabilité que les prédateurs les trouvent. Les premières activités de la journée sont de voyager et de se nourrir de fruits. À l'approche de l'après-midi, les tamarins se concentrent davantage sur les insectes. En fin d'après-midi, ils se déplacent vers leur tanière nocturne. Les groupes de tamarins utilisent des cavités d'arbres creuses, des vignes denses ou des épiphytes comme sites de couchage. Les sites situés entre 11 et 15 mètres du sol sont préférés. Le tamarin lion doré a tendance à être actif plus tôt et à se retirer plus tard pendant les périodes les plus chaudes et les plus humides de l'année, car les jours sont plus longs. Pendant les périodes plus sèches, il se nourrit d'insectes plus longtemps à mesure qu'il se raréfie. Les tamarins lions dorés se caractérisent par l'utilisation de nourriture manipulatrice sous les écorces d'arbres et les broméliacées épiphytes. Leurs sites d'alimentation sont généralement répartis autour de leurs domaines vitaux, qui sont de vastes territoires, en moyenne 123 hectares, dans lesquels se trouvent plusieurs sites d'alimentation pour trouver des ressources suffisantes sur de longues périodes. Ces zones sont suffisamment grandes pour que même s'il y a chevauchement entre les domaines vitaux de deux groupes différents, les interactions soient minimes en raison de la répartition des sites d'alimentation, ils passent 50% de leur temps dans environ 11% de leur domaine vital. Le tamarin lion doré a une alimentation diversifiée et omnivore composée de fruits, de fleurs, de nectar, d'œufs d'oiseaux, d'insectes et de petits vertébrés. Ils dépendent de microhabitats pour se nourrir et d'autres activités quotidiennes et les tamarins utiliseront des broméliacées, des couronnes de palmiers, des gaines de feuilles de palmiers.
Le tamarin de lion d'or utilise ses doigts pour extraire la proie des crevasses, sous les feuilles et dans la croissance dense, un comportement connu sous le nom de micromanipulation. Il est rendu possible par des mains et des doigts allongés. Les insectes constituent jusqu'à 10 à 15% de son alimentation. Une grande partie du reste est faite de petits fruits sucrés et pulpeux. Pendant la saison des pluies, le tamarin lion doré mange principalement des fruits, cependant, pendant les périodes plus sèches, il doit manger plus d'autres aliments comme le nectar et les gommes. Les petits vertébrés sont également consommés davantage à ces moments-là, car les insectes deviennent moins abondants. Le système d'accouplement du tamarin lion doré est en grande partie monogame. Lorsqu'il y a deux mâles adultes dans un groupe, seul l'un d'eux s'accouplera avec la femelle. Il y a des cas où un mâle s'accouple avec deux femelles, généralement une mère et sa fille. La reproduction est saisonnière et dépend des précipitations. L'accouplement est à son maximum à la fin de la saison des pluies entre fin mars et mi-juin et les naissances culminent pendant les pluies de septembre à février. Les femelles sont sexuellement matures entre 15 et 20 mois, mais ce n'est qu'à l'âge de 30 mois qu'elles peuvent se reproduire. Seules les femelles dominantes peuvent se reproduire et supprimeront la reproduction des autres femelles du groupe. Les mâles peuvent atteindre la puberté à 28 mois. Les tamarins ont une période de gestation de 4 mois. Les groupes de tamarins lion doré présentent un élevage coopératif des nourrissons. Cela est dû au fait que les tamarins donnent généralement naissance à des jumeaux et, dans une moindre mesure, à des triplés et des quadruplés. Une mère n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa portée et a besoin de l'aide des autres membres du groupe. Les plus jeunes membres des groupes peuvent perdre des opportunités de reproduction, mais ils acquièrent une expérience parentale en aidant à élever leurs frères et sœurs plus jeunes. Au cours de leurs 4 premières semaines, les nourrissons dépendent entièrement de leur mère pour l'allaitement et le portage. À la 5e semaine, les nourrissons passent moins de temps sur le dos de leur mère et commencent à explorer leur environnement. Les jeunes atteignent leur stade juvénile à 17 semaines et socialiseront avec les autres membres du groupe. La phase subadulte est atteinte à 14 mois, lorsqu'un tamarin affiche pour la première fois des comportements d'adulte. En captivité, si la nourriture est pauvre en caroténoïdes, le pelage devient sombre. Les doigts sont fins et longs adaptés à la récolte d'insectes dans les anfractuosités ou sous l'humus, micromanipulation. Les rapaces, les chats, les mustélidés, mammifères apparentés aux belettes et aux loutres, et les grands serpents sont les principaux prédateurs des tamarins. Les tamarins émettent des cris d'alarme en réponse à des stimuli étranges ou menaçants. Ils ont des cris spécifiques aux prédateurs aériens par rapport aux prédateurs terrestres. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.